On a retrouvé l'une des plus grandes fugitives d'Europe grâce à l'IA. Daniela Klett est une terroriste présumée recherchée depuis plus de 30 ans par les autorités. Eh bien, il a fallu seulement 30 minutes à un journaliste pour la retrouver. Âgée de 65 ans, Daniela Klett est soupçonnée d'avoir fait partie de la fraction Armée Rouge, un groupe allemand d'extrême gauche dissous en 98. Elle était recherchée pour plusieurs tentatives de meurtre et braquage. Pour la retrouver, Michael Colborne, un journaliste d'investigation, a utilisé un logiciel de reconnaissance faciale nommé PIMEYES. Pour la modique somme de 30 euros par mois, le logiciel permet à partir d'une seule photo de retrouver toutes les images d'une personne publiées sur Internet. Chaque photo est accompagnée d'un lien vers une source, et qui dit source dit souvent identité. En important la photo de l'avis de recherche, le journaliste est tombé sur des images d'une certaine Claudia Yvonne sur Facebook pratiquant la capoeira. Il aurait informé la police allemande, mais celle-ci nie avoir été aidée par cette découverte. Les autorités disent avoir été mises sur la même piste grâce à une info anonyme reçue en novembre. Quoi qu'il en soit, Daniela Klett, aka Claudia Yvonne, a été interpellée dans son appartement à Berlin le 26 février.